viral pneumonia has hit central China's Wuhan city. Authorities have reported 27 cases in total, seven of which are critical. They said there is no reason to suspect the virus was transmitted through humans, and no medical personnel have been infected. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Une pandémie sans précédent vient de frapper le monde. L'espace aérien international est fermé jusqu'à nouvel ordre. L'organisation de la 32e campagne archéologique au Ramesseum est en danger. Christian doit trouver une fenêtre sanitaire favorable pour programmer le chantier. Ce sera du 2 janvier au 28 février 2021. Voilà, donc première étape, on vient de passer le test PCR à Roissy-Charles-de-Gaulle. Et là, maintenant, donc, on espère pouvoir partir mercredi dans le cadre de la mission archéologique. Voilà. La galère commence. C'est parti. Bon, après beaucoup d'incertitudes, on vient de passer le PIF et la PAF, la police aux frontières. Et c'est passé comme une lettre à la poste, donc on va pouvoir aller se rendre sur le chantier de la MAFTO et passer, on espère, 10 jours de travail intensif. Voilà, c'est parti, on est parti. La 32e campagne a commencé. C'est un retour dans l'éternité pour l'ensemble de ces ossements. Nous avons trouvé deux éléments significatifs. Maintenant, il y a quatre boîtes complètes pour le fragment du châssis. Ceux-là sont en place puisqu'on a la correspondance avec le dessin du dessous. Et c'est vrai que moi, quand ça chante, je sens que ça se passe bien. On a un fragment de visage. La gestion de la fouille est aussi importante que la fouille elle-même. Après un voyage soumis aux contraintes sanitaires et une escale d'une nuit au Caire, l'équipe de tournage de la MAFTO rejoint enfin Christian Leblanc et les membres de la mission déjà au travail depuis le 2 janvier. On est entier. Ouais. Voilà. Vous arrivez avec un vent terrible là. Oui. Oh, c'est affreux. Oui, c'est affreux. Nous avons donc repris nos travaux de fouille et de restauration. Donc cette campagne est plus restreinte que d'habitude, bien évidemment, parce que nous devons faire face à la pandémie qui est aussi, bien sûr, en Égypte. Donc notre campagne, évidemment, comprend peut-être beaucoup plus d'ouvriers sur le terrain, mais beaucoup moins d'intervenants étrangers, puisque plusieurs équipes n'ont pas pu nous rejoindre finalement sur le terrain cette année. Ceci dit, nous avons pu quand même ouvrir un certain nombre de chantiers, celui évidemment du cavalier de Déblay côté sud. Donc là où il s'agissait bien sûr surtout de retrouver le niveau ramesside qui était sous une très importante épaisseur de déblais. Donc là, évidemment, c'est un chantier qui progresse tout à fait et qui va nous permettre, je pense, d'ici la fin février, de pouvoir atteindre justement cette partie, ce sol ramesside, et voir si nous pouvons retrouver éventuellement des fragments de statues qui permettraient d'identifier, évidemment, les animaux qui se trouvaient sur la voie processionnelle sud du Ramesséum. Sur le cavalier de Déblay, comme l'espérait Christian, Jocelyne Autier, secondée par Juliane Sanchez, a pu atteindre le niveau ramesside et dégager une importante partie de l'allée processionnelle sud du Ramesséum. Cette fouille a permis la découverte de 6 nouveaux emplacements de sphinx,
étroit de part et d'autre de l'allée. Nous avons repris cette fouille il y a 2 ans pour tenter de retrouver des éléments significatifs qui nous permettront enfin de savoir quelle apparence avaient les sphinx au sud. Depuis 2 ans, on retire ces déblais à raison de couches de 40 mètres cubes, alors que la totalité des cavaliers qui entouraient sur 3 côtés le Ramesséum, le volume a été évalué à 20 000 mètres cubes. Et on retire par couche de 40 mètres cubes qui nous prennent 4-5 jours. Un travail vraiment pharaonique. Cette année, on a la chance d'être arrivé au niveau de l'allée processionnelle, c'est-à-dire au niveau ramesside, là où on espère trouver des éléments significatifs, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il monte. Il y a 2 niveaux de briques, il monte. Oui, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a les briques qui sont bien rangées, qui font partie d'un muret. Bon, pour l'instant, on va dire muret. Et puis il y a celles qui viennent de l'écroulement du mur, qui sont marbrées. Oui, merci. Ici c'est terminé, c'est seulement cassé d'ici et d'ici. Oui. Mais c'est quoi? Et bleu comme ça. Eh bien, la question est bonne. Eh bien, j'avoue qu'il n'y a rien qui me vient comme idée. Non? Non? Bon, à l'unanimité, on ne sait pas. Eh bien, ça fait partie des fragments qu'on a en quantité, parce qu'on peut distinguer une certaine forme et puis rapprocher ça avec une partie du corps du sphinx. Je ne dirai pas laquelle, là. Pour l'instant, c'est encore secret. C'est un fragment qui vient de la voie processionnelle sud. Il faut trouver d'autres morceaux maintenant. Nous avons aussi un autre chantier qui est la tombe de Seth Épibré, donc cette tombe du Moyen Empire qui se trouve dans le secteur STI du Ramesséum. La prospection et le dégagement de la tombe de Seth Épibré ont débuté à la fin de la 30e campagne de fouilles il y a maintenant 2 ans. L'hypogée est située au nord-ouest du Ramesséum, à l'extrémité de la salle à colonnes correspondant à l'annexe du trésor. Donc là, nous avons repris finalement un travail de confortement d'abord de la tombe, et puis aussi nous avons commencé la fouille archéologique, surtout de la structure souterraine, puisque nous avons pu ouvrir finalement toute cette partie souterraine de la tombe, qui doit évidemment se prolonger sur une 20aine de mètres finalement sous le piémont de la montagne Thébaine. تحت الودان عشان ما وقعش تراب عليه تحت الودان كده تحت الودان
Donc ça, c'est un des premiers chantiers que nous avons pu réouvrir cette année et pour lequel nous avons déjà d'ailleurs de beaux résultats. Ah, regardez-moi ça le fond, c'est bâclé ce truc-là, c'est vraiment... C'est le rose. Voilà, Moukine Kamel Daboukra. Khalil Doum Kaman Goa, parce que Moukine, c'était une petite offrande de Doum, de l'Oise, on ne sait jamais. Voilà, et ça on va les garder, ça c'est un petit pied ça, hein. Ça c'est un petit pied ça de vase. Donc il va y avoir un autre type de vase dans la tombe. C'est la base ? Ah ben oui, c'est un pied. Donc c'est devenu une coupe, petite coupe. Oui. Donc elle est peut-être dans la tombe encore. D'accord. Faut la garder ça parce qu'on verra. Ça. Cette année, nous avons donc pu progresser de manière alors absolument nouvelle dans ce qui est la partie souterraine de la tombe, c'est-à-dire un très long corridor qui s'enfonce sous la montagne Thébaine, en tout cas sous le piémont de la montagne Thébaine, et qui va certainement donc nous livrer évidemment des informations nouvelles sur cette tombe, puisque là, il s'agit d'un secteur de cette sépulture qui n'avait jamais été dégagé. Alors, il est vrai que l'année dernière, il avait fallu déjà dégager toute une partie de la descendrie, c'est-à-dire surtout retirer une série de dalles qui se trouvaient ici et qui provenaient du plafond de l'annexe du trésor de Ramsès II. Donc, il y avait quatre dalles qui s'étaient effondrées, et ces quatre dalles ont dû être retirées. Elles pesaient chacune, d'ailleurs, près de 3,5 tonnes, hein, donc c'était d'énormes dalles. Donc, dans la descendrie, bien sûr, on a pu remettre au jour un petit peu toutes les scènes qui sont peintes sur les parois. Alors, des scènes qui sont tout à fait intéressantes, parce que ce sont des scènes qui sont relatives aux funérailles de cet épivré, où l'on voit bien sûr à la fois depuis le début de la descendrie, eh bien l'arrivée vers la nécropole, évidemment de la momie du personnage qui est accompagnée sur un traîneau. Elle était posée. On a pu voir un petit peu les scènes qui avaient été masquées. Alors ces scènes, on les retrouve justement sur la paroi sud, où l'on voit toute une série de porteurs d'offrandes qui sont représentés et de porteuses d'offrandes aussi, parce que on a aussi bien des hommes qui sont d'ailleurs avec les chairs rouges et puis les femmes qui sont représentées avec des chairs jaunes, qui sont dans des robes à bretelles d'ailleurs, qui sont assez étonnantes. On voit très bien que ces peintures sont évidemment relèvent d'un art très provincial, comme on peut le voir à partir de certains détails qui sont assez étonnants, surtout la disproportion parfois des membres des personnages entre un bras droit et un bras gauche qui est plus fort que l'autre. C'est assez étonnant de voir cela. Donc ça, sur la paroi sud, c'est surtout toute cette partie finalement de la procession qui apparaît, alors que sur la paroi nord, ce sont plutôt les bateaux que l'on voit représentés. Lors de la fouille de la descendrie de la tombe, plus de 230 fragments des scènes peintes ornant ses murs, ainsi que des parties du décor du plafond qui s'étaient détachées, ont été retrouvés par les ouvriers. Là, ce sont les fragments qui sont arrivés cette année. Donc, ces fragments, ils ont un état de conservation très, très irrégulier. Certains sont encore bien conservés, mais d'autres, comme cette série-là, par exemple, la paille a été mangée par les termites. On a parfois du mal à faire des assemblages, parce qu'on n'a plus de fractures franches. Alors, il y a deux types de fragments. On a des premiers fragments qui sont constitués de deux couches. La première couche qui est une couche de terre et de paille. Et la seconde, la couche de finition, où il y a du plâtre qui est additionné à l'intérieur. Et ça, c'est différent pour les parois et la voûte. C'est-à-dire que tous ces fragments qui ont cette couche de plâtre sont des fragments des parois. Alors que sur la voûte, la peinture est peinte directement sur la terre. Donc ça, ce sont les fragments du plafond. Et on a quatre fragments qui sont très intéressants parce qu'ils montrent l'alternance. Donc c'était des fleurettes sur fond jaune ou sur fond blanc, mais avec une alternance carrée. Et là, on a par exemple, on voit bien qu'on a la correspondance des deux côtés. Donc il y a quatre fragments comme ça qui nous prouvent qu'on a ce damier. Donc là, j'ai commencé à faire des assemblages. Quand il y a des collages qui sont possibles, j'essaie de les faire maintenant, simplement par réhumidification de l'argile, qui a un lien extraordinaire. Donc en réhumidifiant et en faisant un petit solin sur le côté, là c'est deux fragments que je viens d'assembler par exemple, pour ne pas perdre ce petit morceau, la base de l'oiseau avec les pattes. Et on a donc les relevés de Quibble de 1898. Donc c'est là-dessus que je travaille. C'est-à-dire que j'ai noté
le décor qui est encore présent aujourd'hui in situ, jusqu'à cette ligne rouge, et tout ce qui est au-dessus, ce qu'il avait vu lui, donc, a disparu. Et une majorité de ces fragments-là font partie, en fait, de ces scènes supérieures. Le problème, c'est que quand je suis arrivée à la fin des fragments que j'avais, j'ai trouvé ici, ceux-là, où on voit nettement la tête, le haut de la tête du personnage et la fin des offrandes. Et il se trouve qu'au-dessus de la ligne noire, je n'ai pas du tout les mêmes dessins que ce qui est représenté là. Donc en fait, il y a un décalage au niveau des textes et je pense que toute cette partie qui est représentée ici devrait en fait être plus sur la gauche à ce niveau-là. Donc les premiers fragments que j'ai trouvés correspondent à ceux-là. Et la deuxième série là de fragments, c'est ceux-là, mais je suis absolument sûre que ceux-là sont en place puisqu'on a la correspondance avec le dessin du dessous. Donc il y a un problème. Oui, Rouliane. Je suis là. Regarde. La grande série de textes que vous avez vu auparavant, ça, il est fort probable qu'on fasse une remise sur panneau et qu'on puisse le remettre in situ parce qu'on a vraiment les jonctions. Ce qui est intéressant, c'est déjà de constater que dans la descendrie, dans les derniers travaux que nous avons menés dans la descendrie au niveau de la fouille archéologique, nous avons retrouvé évidemment un certain nombre de vestiges qui sont tout à fait intéressants et qui montrent surtout que cette tombe du Moyen Empire a été, semble-t-il, intensivement réoccupée au cours de la troisième période intermédiaire et même peut-être au cours de l'époque ptolémaïque, puisque certains éléments que nous avons retrouvés pourraient suggérer qu'il y a eu une occupation aussi à l'époque ptolémaïque. En tout cas, pour la troisième période intermédiaire, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de personnes qui semblent avoir été inhumées dans cette sépulture, puisque nous avons quand même des ouchéptis en frites glacurées ou en terre crue, ou en terre cuite, même parfois aussi, et qui portent des noms, donc ce qui montre bien que nous avons au moins déjà jusqu'à présent une dizaine de personnes qui ont été enterrées dans cette sépulture à la troisième période intermédiaire. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre un petit peu comment cette tombe, finalement, a eu cette histoire, non seulement au Moyen-Empire, mais bien après le Moyen-Empire, ce qui veut dire qu'elle a été probablement profanée, bien sûr, pillée peut-être après le Moyen-Empire, et réoccupée ensuite, au moins, à la troisième période intermédiaire. Alors, les vestiges qui arrivent, qui sortent petit à petit, progressivement, sont aussi intéressants parce que ces vestiges ne sont pas seulement de la troisième période intermédiaire. On a déjà retrouvé, voyez-vous, même dans les... On est à l'entrée, hein, finalement, de la structure souterraine. Eh bien, on a retrouvé des vestiges en bois, notamment, alors qu'ils sont évidemment malheureusement attaqués par les termites. Mais on a retrouvé des vestiges tout à fait intéressants, notamment, qui sont des traces de modèles de bateaux. Dans les tombes du Moyen Empire, généralement, on trouvait des maquettes en bois qui pouvaient représenter différentes thématiques. Hein. Donc là, on sait très bien que dans cette tombe, c'est surtout des bateaux qu'on risque de retrouver parce que ces bateaux sont d'ailleurs reproduits sur les parois de la descendrie de la tombe. Donc on retrouve là des rames, les manches des rames, les pales de rames et puis on a aussi probablement un mât de bateau, d'un des bateaux. Alors c'est une des maquettes qui devait se trouver dans la tombe, mais il y en avait probablement plusieurs. Hein, plusieurs. Donc là, ça c'est le mât. Ça c'est un des mâts du bateau, oui. On voit bien, il était enfoncé dans le bateau finalement. Et puis il devait y avoir les voiles, bien évidemment. Donc tout ça, ce sont des éléments, mais malheureusement, qui sont très abîmés, parce que ça a été mangé par les termites. Dans les tombes de cette époque, eh bien, il y avait des maquettes souvent qui étaient disposées dans une salle. Ces bateaux qui avaient dû être entreposés dans la tombe au moment des funérailles. Ces petites rames, finalement, voyez-vous, eh bien, c'est quand même très émouvant quand on sait qu'elles ont près de 4000 ans, finalement, puisque si on regarde bien, le Moyen Empire, c'est 2000 ans avant notre ère. Si on rajoute les 2000 ans après notre ère, on est sur une, vous voyez, sur une datation de plus de 4000 ans. Donc voilà, c'est des restes finalement d'un bateau qui date de 4000 ans. C'est assez extraordinaire.
Voilà. Alors, comment ça va, Agag? Mohamed, Koulou Kouaïs? Oui, ils avancent bien. Voyons ça. Ben, ça progresse bien. C'est bien rempli, ça, mais... Oh là là, c'est bien rempli, quand même. Il y a un autre chapitre, le grand chapitre, c'est quoi? C'est quoi? C'est marqué non. C'est petit, ça, encore? Ah... Non. C'est un nouveau? Oui, c'est un nouveau, ça. Attends que je regarde. Toi, on s'il a... vous plaît. Allez. Amouré, or, 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 N, or, F. C'est un F. C'est clair, or, ici. F, Maat. C'est la même ici. C'est le même, oui, c'est le même personnage. C'est le même, c'est le même personnage. Oui, toi, c'est Maat. Ah, c'est marrant, c'est, ils sont intéressants. Hein. Imen, or, F, Maat. Maarichou. C'est ça, hein. Et c'est la même aussi. C'est le même aussi. Oui, oui. Oui, oui, d'accord. Bon, alors donc, c'est un même personnage, c'est un nouveau encore. C'est maintenant c'est 4. Ah, ben c'est bien. Et c'est 5, un nouveau bouton. Ça aussi c'est le même. Oui, hein. Oui. C'est oui, 5. C'est le même aussi. Oh, ben c'est intéressant. Oui. Hein. C'est Itnetcher en Imendra, quand même. En Imendra. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, ben c'est bien ça, c'est un nouveau personnage. Oui. C'est un nouveau qu'on a. On va aller monter les morceaux pour les photographier. La quoi, il a un Gedid. La Wahad, il y en a. مدفون لناك جديد كمان وي وي ان شاء الله كل سنه حلوه دي يا رب مبروك عليك يا محمد والله Tu es content, Christian? Hein? Tu es content des découvertes? Ah bah oui, parce que c'est un nouveau défunt que l'on trouve dans cette tombe. Et c'est encore un personnage de la troisième période intermédiaire. Un père divin, d'ailleurs. C'est un père divin d'Amonré. Voilà. Hein? Voilà, c'est bien. Voilà, voilà, bah, c'est bien, Mohamed, continuez. Les travaux avancent bien, alors Christian, t'es content? Oui, c'est des travaux difficiles, parce que c'est un contexte très difficile, où les ouvriers doivent travailler avec des casques, parce qu'il y a des risques quand même qui sont sérieux dans les plafonds, qui ne sont pas toujours évidents. Donc il faut travailler avec beaucoup de patience et surtout progresser lentement pour ne pas qu'il y ait d'accident. Voilà. Mais c'est un beau travail. Un beau travail parce qu'on arrive finalement à avoir des informations tout à fait nouvelles sur cette tombe finalement du Moyen Empire qui semble avoir été réoccupée de manière intensive à la troisième période intermédiaire d'après tous les objets petits qui sortent de la fouille et qui nous livrent des noms différents les uns des autres. Donc ce qui montre qu'il y a eu plusieurs défunts qui ont été enterrés dans cette tombe à la troisième période intermédiaire. Et il faut savoir que cette structure se prolonge probablement sur une vingtaine de mètres. Et alors ce qu'il y a, c'est que sur ce cheminement qui doit mener au caveau finalement du défunt, hein, alors un caveau, c'est-à-dire c'est une salle, et dans cette salle, il doit y avoir un puits qui descend profondément dans le sol de la montagne, et qui arrive au caveau, finalement, dans lequel avait dû être inhumé cet épibré, et peut-être d'ailleurs quelques membres aussi de sa famille, ça on n'en sait rien. Il est possible aussi que dans le cheminement de ce corridor, il y ait des puits. Et il est possible aussi que l'on retrouve le puits qui débouche, finalement, peut-être au niveau du caveau, et dont parle justement Quibble, à propos d'une autre tombe qui serait celle de la 13e dynastie, et qui appartiendrait éventuellement à un magicien, puisque c'est au fond de ce puits qu'avait été retrouvé un coffre avec tout un ensemble de papyrus, c'était les fameux papyrus du Ramesseum, hein, plus d'une vingtaine de papyrus, et des ivoires magiques, et c'est dans cette tombe donc de la 13e dynastie qu'avait été faite cette extraordinaire découverte, puisque ces papyrus se retrouvent aujourd'hui d'ailleurs au British Museum. Alors c'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas encore localisé cette tombe du magicien, mais elle devrait se trouver sur la trajectoire souterraine de la tombe de cet épibré. Si on regarde bien les choses, et ça c'est important, c'est que le fait de retrouver déjà des éléments en bois d'un bateau, hein, qui serait celui d'un modèle qui avait été déposé dans la tombe, juste à l'entrée de la structure souterraine de la tombe, ce qui laisse envisager évidemment
que le mobilier funéraire du Moyen Empire a dû être entièrement pillé et à une époque relativement tôt. Hein. Donc ça, vous voyez, c'est des indices qui petit à petit apparaissent au fur et à mesure où progresse la fouille. Et je pense qu'on peut s'attendre, en continuant ce dégagement, à de nouvelles surprises qui nous permettront de mieux connaître surtout l'histoire à la fois de cette tombe, mais aussi du personnage qui a été enterré là au Moyen Empire, parce qu'on sait qu'il s'agit d'un certain Seth Épibré, mais nous n'avons pas encore véritablement ses titres, ses fonctions, les fonctions qu'il occupait, probablement d'importantes fonctions, parce qu'on sait qu'il a dû vivre à l'époque d'Amenemhat Ier ou de Sésostris Ier, et le fait qu'il ait une tombe aussi importante, et en plus de ça, avec, si vous voulez, une descenderie entièrement décorée de peinture, cela laisse supposer que c'est un personnage quand même qui a dû avoir une fonction relativement importante sous le règne de l'un de ses rois. Jusqu'à maintenant, c'est lui-là, un neveu Besson dans le tombe, avec oui. Le chapitre. Oui. Oui, on a retrouvé justement un nouveau défunt à travers toute une série de chapitres tout à fait intéressants, un certain Henr F. Mahat, qui a été enterré là aussi. Donc voyez-vous, petit à petit, on découvre aussi tous les noms de personnages qui ont été enterrés dans cette tombe à la troisième période intermédiaire. Mais ce que nous attendons surtout quand même, avec Samet, c'est de retrouver finalement ce puits de la 13e dynastie, à savoir celui du magicien, parce que là, nous aurions vraiment la preuve concrète qu'il avait bien été enterré à cet endroit-là et qu'il avait pratiquement perforé, certainement, un des plafonds du corridor, et qui devait peut-être d'ailleurs déboucher sur le caveau de cet Épibré. Hein. Donc ça, il faut s'attendre à une découverte de ce genre, mais il est encore trop tôt pour la confirmer. Donc il faut attendre de progresser, finalement, et dégager un petit peu tous ces déblais qui encombrent le corridor jusqu'à présent. On a trouvé un nouveau nom de quelques ouchéptis de la troisième période intermédiaire qui nous donne encore un nouveau nom. Donc c'est-à-dire qu'on a un défunt supplémentaire qui semble avoir été enterré dans cette tombe. Donc ça c'est intéressant. Ah oui, c'est un père divin d'Amon. Et... Oui, Itnetcher. Et puis on retrouve Itnetcher. Imenra. Un troisième chantier est un chantier plutôt de restauration. Donc, celui-ci est mené notamment par Éric de Sèvres et puis Laurent Chazalviel, donc qui ont pu mettre en place évidemment d'abord le mur périmétral ouest du Ramesséum, du temple de pierre, hein, c'est-à-dire juste le mur qui se trouve derrière le sanctuaire. Ce mur de même épaisseur que ceux qui bordent le temple au sud et au nord va être reconstitué sur une longueur de 58 mètres jusqu'aux angles sud-ouest et nord-ouest sous lesquels avaient été placés jadis des dépôts de fondation. Nous allons retrouver Éric de Sèvres, Mohamed Hussein Abdallah et son équipe dans le secteur ZST correspondant à la zone du sanctuaire. Sur ce mur périmétral donc du temple, mur périmétral ouest, la technique qu'on a utilisée, c'est donc une pierre de parement qui fait ici une trentaine de centimètres d'épaisseur, qui a été placée donc dans une fondation et scellée. Elles ont été posées légèrement en gras, légèrement donc en épaisseur, et ensuite par tranche d'une quinzaine de mètres, ça a été ravalé à la machine et puis gradiné par nos tailleurs de pierre en façade. La partie haute ici, c'est des dalles de pierre reconstituées qu'on a réalisées. Ça nous permet, c'est vrai, d'être à la fois rapide et efficace sur le chantier, puis aussi effectivement de s'y retrouver au niveau économique, quoi. Ces pierres reconstituées, on les réalise dans l'année à la mission française. Ils sont faits par les ouvriers, ça leur permet aussi de faire un petit peu d'argent en dehors de la mission. Et donc ces pierres reconstituées-là, elles viennent épouser et rencontrer la pierre de parement ici.
Et là, vous voyez donc les restaurateurs qui sont en train de réinterpréter le joint qui va faire la liaison entre la pierre et la dalle de pierre reconstituée. Une fois terminé, donc tel que vous le voyez ici, là, on est prêt à patiner. Il y a une patine de mounas, on appelle une patine de terre, tu vois, qui va être mise sur l'ensemble des surfaces du mur pour redonner une homogénéité à l'ensemble, quoi. Comme un enduit. Pas vraiment, parce que c'est vraiment une, plutôt comme une peinture, comme un badigeon, on va dire. On va badigeonner de la terre avec une petite résine acrylique légère qui va permettre de fixer la matière sur la pierre. Mais c'est plutôt un badigeon, quoi. Donc voilà, il s'agit en fait de simuler, tricher un petit peu, on va dire, mais c'est l'idée et c'est ça qui va faire la performance de notre travail, c'est qu'en fait ici, avec les moyens qu'on s'est donnés, l'illusion sera parfaite, ou presque, parce que bon, c'est quand même assez difficile de réinterpréter un joint. Et puis après, c'est pas l'idée non plus, il s'agit pas de non plus perdre. Les archéologues de demain auront toujours des indices pour justement voir le travail qui a été fait par notre mission ici. Et on devrait être dans la ressemblance du mur périmétral sud. Alors, pour le quoi ? Ça va ? Il y aura un décrochement plus important ici, mais je vais garder un confort de passage. On gérera et puis il sera toujours temps à un moment de rattraper une assise pour temporiser la descente. Mais il y aura donc une rampe qui va relier ici, là. Et puis donc cette rampe en intermédiaire, elle permettra de rentrer des gros blocs par ici. Et ici, en fait, on va poser en pierre. Parce que ça ne pourra pas supporter les blocs. سيدنا محمد صلى الله عليه رد عليه وقول له رد عليه وقول له شد محرده يا وحده احلى عيون مكر المكرنا كده برضو مع الحسوات مكرنا il travaille au club même. Oh non. Allah alayhi wa Muhammad. Allah alayhi wa Muhammad. Yes, Mahmoud. Oh. Donc c'est lui qui fait toute la restauration des murs en briques de terre crue. Il fait un travail remarquable, digne d'un de ses ancêtres. Hein. C'est vraiment Mahmoud. Les... Ah oui, Mahmoud. Moi je veux dire, on ne peut pas se passer de Mahmoud. Hein. Ça, il est essentiel sur le chantier. C'est un des piliers du chantier du Ramesséam aussi, Mahmoud. Il fait un travail extraordinaire. Hein. En ce moment, il est terminé la restauration des ateliers. Il fait un très très beau travail. Donc vraiment, Mahmoud fait un travail remarquable. Remarquable. La restitution de l'escalier qui prend place à l'extrémité ouest du déambulatoire sud du temple et qui permettait d'accéder aux dépendances STA et aux dépendances nord du temple est également au programme de cette année. Donc ici on est à l'angle du temple, donc à la rencontre du mur périmétral sud et de l'ouest. Pour la petite anecdote, ici, il y avait un dépôt de fondation. Le dépôt de fondation, c'est quelque chose d'important. Christian vous en parlerait sûrement mieux que moi. Mais ici, le pharaon Ramsès II est venu poser la première pierre du temple. Donc en fait, nous, on est là aujourd'hui, derrière le pharaon, à reconstruire et à réinterpréter l'angle du temple. On boucle un travail important. La première pierre ici, elle a été posée en 2003. Donc vous voyez, il nous a fallu des années pour terminer l'ensemble de ce bas-côté sud là. Ici, on a eu suffisamment d'indices, des éléments anciens de l'escalier
et un niveau de dallage supérieur là, qui nous permettent d'envisager et donc de se lancer dans la restauration de cet escalier. Les pierres ont déjà été posées donc en gras, donc elles sont posées comme ça de façon très aléatoire au départ. Et une fois posé, une fois l'ensemble posé, on va revenir tailler et implanter les marches dans l'escalier. En fait, c'est exactement comme ça qu'eux-mêmes travaillaient. On aurait pu essayer autrement, mais de toute façon, on aurait été amené à faire des erreurs de taille. Donc, vous voyez, ici, le bloc en gras, on va donner la continuité de la rampe, les deux rampes latérales de l'escalier. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un guide pour amener ensuite la surface de l'ensemble de la rampe. Et ensuite, dans cette rampe, on va pouvoir venir tracer les marches et puis descendre à leur épaisseur. Et puis donc, on aura, j'espère cette année, un escalier terminé. Cette histoire de dépôt de fondation du pharaon, mine de rien, ces gars qui travaillent, ils ont tous un peu de pharaon en eux, quoi. C'est oublié, c'est dans la conscience collective sûrement, mais ça a été une anecdote que de la prise de conscience qu'ils ont eue de travailler derrière pharaon dans cet angle-là, il y a une petite émotion, quoi, parce qu'en fait, ils ne le mesuraient pas, cette dimension. Donc, c'est vrai que c'est un geste sympa à partager. Il a été possible aussi, bien sûr, de continuer tout un travail sur le bas-côté sud du temple, un travail de restauration qui va toucher à sa fin d'ailleurs et qui va permettre de pouvoir restituer dans sa totalité tout cet ensemble de salles, de cours qui se trouvaient finalement, qui longeaient la salle hypostyle et qui se prolongeaient jusqu'au sanctuaire du temple. Durant la campagne, il y a eu également une prospection de puits funéraires sur le bas-côté sud du temple, puisque en dehors des travaux de restauration, il a été possible aussi d'ouvrir quelques puits qui avaient été localisés lors de la fouille de ce secteur et qui n'avaient pas été encore prospectés. Trois puits funéraires donc, qui ont été entièrement vidés de leur déblais, qui ont permis de retrouver d'ailleurs un certain nombre de pièces qui appartenaient au mobilier funéraire des défunts qui étaient enterrés dans ces tombes. So we have some osheptis from Serb Inter period. It's very clay with some of blue color. It's small size. When I speak with Professor Christian and I show him, he say it's a very very poor man. He make this cheap Oshepti, and by this Oshepti, he would like to go to paradise. How it's come? C'est un équipement funéraire assez rudimentaire et assez pauvre quand même quand on regarde ça, parce que c'est pas de grande qualité. Hein. Et nous avons aussi retrouvé à cette occasion, d'ailleurs, très curieusement, un bovidé complet. Les ossements d'un bovidé complet qui probablement avait été jeté à un moment donné dans l'un de ces puits funéraires. Alors tout ce matériel, évidemment, aussi bien humain qui a été retrouvé comme ce matériel animal, eh bien, a été exploité aussi par les anthropologues qui avaient rejoint la mission. Ce bovidé se situe à peu près à 1,50 m par rapport à la surface. Il était complet et manifestement, c'est un bovidé qui a dû chuter ou qu'on a poussé parce qu'il était mort dans ce puits. Juste au-dessus, à peu près à 50 cm, on a retrouvé un crâne, probablement de troisième période intermédiaire. Bon, c'est difficile à dire, mais dans ce dépôt, on a donc retiré le bovidé et on m'a demandé de le reconstituer. Ce n'est pas ma spécialité, mais donc je l'ai fait parce que c'est bien le seul
bovidé en Égypte ancienne complet qu'on ait retrouvé. Vous dire sa date, j'en sais rien, il peut être, à mon avis, du siècle dernier, parce qu'il y avait des bédouins qui vivaient ici et qui avaient des troupeaux, donc on peut imaginer que ce bovidé soit tombé là. On ne peut rien en tirer de plus, si vous voulez. Il faut savoir qu'en fait, notre travail ici, c'est un travail anthropologique de longue haleine qui consiste à examiner systématiquement tous les ossements humains qui sortent des tombes de l'ensemble du Ramesséum. Cette étude va nous permettre de faire une typologie des différents crânes et d'établir une fiche anthropométrique. Tout cela va donc nous permettre de savoir la population qui occupe le Ramesséum. Alors, pour exemple, le crâne que vous avez ici, c'est celui qui a été découvert sur le bovidé, au-dessus du bovidé. A priori, ce doit être un crâne de la troisième période intermédiaire, mais là, il me reste un doute puisque je n'ai pas trouvé d'artefacts archéologiques au contact qui me permettent d'avoir une datation certaine. Les autres crânes qu'on a ici, eux par contre, ils étaient dans le contexte de la fouille avec des artefacts archéologiques, des ouscheptis, des morceaux de poterie, etc., qui nous permettent de dater. Et ceci est très important, puisque moi je vais avoir des populations qui peuvent être du Moyen-Empire, qui peuvent être du Nouvel-Empire, qui peuvent être de troisième période intermédiaire, d'époque romaine et même d'époque copte. Donc je peux pas établir une globalité de l'ensemble des crânes, je dois faire une sélection en fonction des périodes. Et c'est l'archéologie qui va nous mener, ce qui prouve que c'est un travail qui est mené vraiment en symbiose avec l'équipe des fouilleurs. Mon travail consiste donc à, dans un premier temps, faire une étude, disons, morphologique du crâne. Vous voyez, je prends ici ce crâne. On va retrouver sa forme, voir qu'il est complet. On va y rechercher une pathologie. La deuxième chose qui est aussi très importante, ça va être de mesurer ces crânes. Alors évidemment, on peut dire que c'est des mesures à l'ancienne, mais je pense que c'est très important de le faire sur le terrain. Voilà, par exemple, on va mesurer le diamètre antéro-postérieur. Je vais donc le noter et ça va être noté sur une fiche. Donc ma collaboratrice me surveille pour vérifier que je fasse la bonne mesure et en même temps, bien sûr, va prendre les notes. On a aussi un pied à coulisse un peu spécifique, comme vous pouvez voir ici, qui va nous permettre, par exemple, au niveau de la face, de mesurer le nez, la hauteur du nez, le palais, et à chaque fois, on va noter cela sur la fiche. Il y a à peu près une trentaine de mesures qui sera effectuée par crâne. Troisième épisode, on va récupérer donc ce crâne et vérifier les sutures. Oui, ici, il y a donc toute une série de sutures. On a des tables dans lesquelles on va rentrer le niveau de soudure de ces différentes sutures. Et donc, on va les noter avec un poids qui va nous permettre de définir l'âge approximatif de la personne. Alors évidemment, il y a des fourchettes importantes, mais on a quand même une idée si c'est un adolescent, un adulte jeune, un adulte vieux, avec une erreur statistique classique, quoi, si vous voulez. Le dernier élément, ça va être rechercher le sexe. Un ou deux exemples. Ici en avant, on a ce qu'on appelle la glabelle. Là, elle fait une petite saillie. Et cette petite saillie, elle va être donc plus ou moins marquée, soit masculine. Ici, ce sera une saillie masculine. On a ici en arrière la mastoïde, sa longueur, son épaisseur, et on va rentrer ça dans les critères de sexe. Il y a donc une dizaine de critères. On rentre ça dans l'ordinateur, et il y a un petit calcul qui est fait, et si la valeur est négative, c'est un crâne qui sera plutôt féminin. Si la valeur est positive, c'est un crâne masculin. Après, on a des petits critères un peu particuliers. Si je prends ce crâne ici, on a une partie du crâne, ça s'appelle une calvaria. Ce qui est intéressant à vous montrer, c'est que là, il y a des espèces de petites dépressions sur les côtés ici. Ces dépressions, c'est lié à l'âge. En fait, la partie superficielle de l'os va s'amincir, va se creuser, et donc on peut savoir que c'est quelqu'un d'âgé. Donc vous voyez, il y a des critères un peu indirects. Si on a des critères d'âge avec des sutures non fermées, et ça, c'est quand même quelqu'un d'âgé. Dernier épisode pour notre fameux crâne qui vient d'arriver sous une machine un peu particulière qu'on appelle un craniophore cubique, un grand nom technique en fait pour une étude avec un élément articulé qui est ici, qui est un pantographe. L'objectif, c'est de positionner le crâne dans une situation parfaite, en équilibre, pour repérage de différents points que donc l'opérateur va mettre en place et en même temps va déplacer pour faire le dessin du crâne qui va venir apparaître ici sur la feuille. Dans des points particuliers, elle va positionner l'élément qui est sur le côté, voilà, elle va pointer un point important qu'on va retrouver sur notre feuille qui est ici. Voilà, donc elle pointe ici le bregma. Elle va positionner maintenant
son aiguille sur un autre point qui est le nasion. Arrivée au nasion, elle va monter sur un autre point qui est le naso-spinal et elle va faire donc le tour du crâne en repérant à chaque fois les points. Ensuite, elle termine par faire un repérage d'un plan qu'on appelle le plan de Francfort. Chez nous, on va tracer des lignes qui vont nous permettre de mesurer des angles. Les angles en particulier au niveau du massif facial pour voir s'il y a une avancée de la région maxillaire ou pas par rapport au front et qui va nous donner quand même une typologie et une orientation du type de crâne. Est-ce qu'il est plutôt négroïde, pas négroïde? Est-ce qu'il est méditerranéen, caucasien? Enfin bref, ça va nous orienter sur la typologie des différents crânes que l'on va étudier. Le ramesséum est particulier puisque on peut dire que les crânes retrouvés sont tous de la troisième période intermédiaire, enfin pour la plupart la troisième période intermédiaire, donc ce sont les crânes qui ont été momifiés. C'est-à-dire qu'on va y mettre des bitumes, on va les envelopper de bandelettes, etc. Et donc les crânes vont prendre la teinte, on peut dire, du bitume sous-jacent, et donc on va avoir des crânes plutôt noirs, marron foncé. Par contre, si on a un squelette qui est déposé directement, comme ici c'est une zone sableuse relativement sèche, on a des crânes qui peuvent être conservés. On a aussi à regarder s'il y a des éléments qui puissent nous dire est-ce que le cadavre a été momifié ou pas, et de la technique de momification. Et ici, si je prends cet exemple ici, vous remarquez en dessous ici un petit orifice. Ce petit orifice qui est là, c'est l'orifice d'excérébration. C'est-à-dire qu'ils sont passés par la fosse nasale, ils ont cassé ce qu'on appelle les lames criblées de l'ethmoïde et ils sont allés chercher le cerveau à l'intérieur. On a aussi des cas intéressants. Ici, c'est une calva, manque de chance si j'ose dire, mais à l'intérieur de cette calva, on a retrouvé cet élément qui est de la dure-mère avec du cerveau desséché à l'intérieur. Voilà, il était comme ça. Ça ici, c'est les lobes occipitaux. Là, ici, le cervelet avec là le passage du tronc cérébral. Donc vous voyez que 3000 ans après, on peut encore retrouver du cerveau desséché. Un autre élément important, c'est qu'au niveau des globes oculaires, on va retrouver souvent des tampons de tissu qui vont bloquer les globes. Donc le momificateur va prendre une boule et enfoncer l'œil littéralement à l'intérieur de l'orbite. Et ça va nous donner, quand nous on va disséquer, voilà, on retrouve des petits tampons de tissu avec quelquefois encore dans la partie profonde une partie de l'œil qui est vraiment collée dans le fond. Notre recherche est aussi celle de comprendre la momification qui permet aussi quelque part de dater le crâne et de voir s'il est tout à fait en rapport avec les artefacts archéologiques qu'on trouve sur le site. Donc on fait une conjonction en fait des événements. Dans le secteur STI, le dégagement du corridor souterrain de la tombe de Séhété Pibré progresse rapidement. L'équipe de fouilleurs, dirigée par Mohamed, découvre chaque jour des artefacts qui sont ensuite étudiés in situ par Christian et Samé. Et si on le remonte un tout petit peu et qu'on fait ça, ouais. Ah ben c'est bon. C'est plutôt ça, tu vois, Samé. Et le Osiris manque ici. Ouais. Donc on a à peu près deux charotis qui sont de même dimension avec à la fois le nom, on voit bien l'Osiris. L'Osiris, Itnetcher. Itnetcher, donc il est ici aussi, tu vois. Il est un peu plus haut d'ailleurs, hein. Imen. Et puis Or F. Maat. Pour cela, oui, c'est le nom du personnage. C'est le nom du personnage. Donc celui-là. Celui-là, on n'a pas encore. Mais tu sais, peut-être qu'ils vont en sortir d'autres d'ici la fin de la matinée. Donc je pense que je ne vais pas faire l'affiche de maintenant, je vais attendre un peu. Alhamdulillah. بص يا احمد وسع عليه شويه كده وسع عليه شويه وهات مصرف النص عشان ده طويل. Chaque jour, en fin de matinée, les ouvriers recouvrent les murs et le plafond disparu de la descenderie de la tombe d'un sarcophage de protection constitué de panneaux de bois en contreplaqué. À 12h30, c'est la fin du chantier pour toutes les équipes. Après le départ des ouvriers, le silence est retombé sur le temple de Ramsès II.
les membres de la MAFTO se retrouvent à la maison de la mission, située proche des ruines de la cité d'Amenhotep III. Alors, comment ça se passe, Prague ? C'est chaud ? Chacun rejoint ses quartiers avant de partager un déjeuner préparé par Mohamed, le chef cuisinier. On commence par faire la mesure ici, enfin on fait une ligne droite là, et après on rejoint les points, donc le basion au bregma, on rejoint le nasion ici au protion, et après on prend les angles qui sont là, et avec une table on arrive à avoir des critères en fait plus précis. Tu pars à 5h30 du matin le samedi, on arrive à 8h05 au Caire, t'as un avion du Caire à 9h35 pour Paris qui arrive à 13h25. Mais on passe par Assouan. Vous passez par Assouan. Oui. Et c'est le dernier, il y a paraît-il 7 niveaux, ça passe par 7 niveaux. Moi je connais rien, hein. c'est la première. Mais avant il y avait 6 avant. Il y en a un 7ème. La mousse au chocolat, exceptionnelle. Et avec le jeune. Puis il y a une petite sac derrière. Oui, oui, oui. On a une vision panoramique très sympa. Et... Ça va mieux qu'ici aujourd'hui? Ah oui, c'était très bien. Ah bah super. Non, c'était très bien. Vous avez bien travaillé ce matin. C'est vrai, hein, il était fatigué hier. Oui, il y a des jours comme ça. Amelia Edwards, journaliste et fondatrice de l'Egypt Exploration Fund, est totalement sous le charme du temple. Voici les sentiments qu'elle exprime en cette seconde moitié du 19e siècle. Parmi toutes les ruines thébaines, le Ramesséum est le plus attrayant. Gorgé de lumière, le calcaire dans lequel il est bâti semble fondre et devenir doré avec le temps. Il n'est cerné d'aucun mur. Aucun pylône ne vient lui faire de l'ombre. Il s'élève à une grande hauteur et l'air circule librement. Il n'y a pas beaucoup de ruines égyptiennes dont on peut parler avec un tel bonheur. Et elle ajoute : au Ramesséum, on peut profiter pleinement du temps qui passe. Après avoir répondu à l'appel de Christian Leblanc, les 140 ouvriers se dirigent un à un vers Jocelyne Autier qui, thermomètre frontal en main, vérifie leur température. Cette obligation incontournable avant de pénétrer sur le chantier s'applique avec la même rigueur aux membres de la MAFTO. Very good. 33 ? Non, mais il faut savoir. Oui, il faut savoir que j'ai des 32, j'ai des 33, j'ai des 34. Tout ça, c'est normal parce que il y a l'air qui est frais ce matin et qui joue. D'accord. Tant que ça ne dépasse pas le maximum et que lui, il ne me dit pas en rouge, ça va. Il y a quelques années, j'avais fait une fouille qui concernait la porte du deuxième pylône du Ramesséum. Cette porte, vous savez, était dominée par une corniche à gorge, bien sûr, sur laquelle reposait tout un ensemble de babouins. Alors ces babouins, nous en avons retrouvé plusieurs, ce qui nous avait permis d'ailleurs de reconstituer dans un premier temps une corniche, si vous voulez, sur laquelle nous avions pu poser un certain nombre de babouins. Et comme il en restait plusieurs autres,
que nous avons retrouvés au cours de cette fouille de la porte du deuxième pylône, eh bien cette année, nous avons pu les mettre en présentation dans l'aire muséale du Ramesséum. Donc ce travail est en cours aussi, sera d'ailleurs très beau parce que les trois babouins que nous avons pu retrouver et remonter finalement avec leurs mains, avec leur museau, eh bien donnera finalement dans cette aire muséale une note tout à fait intéressante et complémentaire finalement à la présentation de tous les blocs qui étaient présentés jusque-là. كل ده بصراحة بتوجيهاتك يا رئيس والله لا بتوجيهاتك والله العظيم توجيهاتك دي يعني ايه ما نقدرش نستغنى عن سيادتك يعني Le Raïs El Azab Mohamed Hassan était notamment responsable de la restauration des babouins et de leur mise en place dans l'aire muséale. En rentrant du chantier, il a malheureusement été victime d'un terrible accident de la circulation. Il décédera quelques jours plus tard. Nous avons une pensée chaleureuse pour ses proches. Nous allons retrouver Eric et ses équipes dans le secteur ZST. Tu vois le principe là, comment ça se dessine là? Oui. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ça a bien avancé, hein? Voilà, ça a quand même bien avancé. Donc là, on est en train d'implanter le nez des marches, tu vois, le début des marches. Donc ça, tu vois, c'est la partie, donc le nez des marches, c'est ce qui doit suivre l'ensemble de la rampe. Donc tu vois, ils viennent de faire des repères d'un côté à l'autre, là, ils vont tirer au trait. Le trait qu'ils viennent de faire, là, c'est donc le nez de la marche, tu vois, qu'on retrouve, par exemple, là, ici, sur l'ancienne marche. Donc, ce trait correspond au début de cette marche. Et donc, à chaque fois, il va falloir donc garder le nez de marche pour cette marche en devenir. Et donner un coup de disqueuse ici pour descendre les 5 cm qui se trouvent là, qui vont se trouver ici, on va descendre de 5 et on va garder le nez de la marche à venir, et ainsi de suite. Tu peux me dire, Eric, où ils vont amener le bloc? Ici, là, donc, là, on est en train de fermer, là, tu vois, à l'intérieur, là, c'est la dernière pierre, plus ou moins. Après, on fera la jonction avec les pierres qu'on peut. Mais globalement, voilà, c'est la dernière pierre sur l'arrière du mur. Voilà, ensuite, après, tu vois, comme on va sûrement avoir amené quand même beaucoup de pierres à l'intérieur. Donc là, il s'agit de refaire un mur bien solide parce que les pierres vont passer. Les gros blocs que tu as vu arriver tous ces temps-là, et bien sûrement qu'on aura à les faire passer maintenant par-dessus le mur et faire une autre homme de terre qui fera la jonction avec le terre-plein de l'autre côté. Christian fait régulièrement le tour des différents secteurs où s'activent les équipes. Aujourd'hui, il vient constater l'avancement de la restauration de l'escalier. Très à l'écoute des problèmes et incidents, même minimes, qui surviennent sur le chantier, il est interpellé par Abdel Harim, le chanteur, qui l'informe qu'il vient de casser son téléphone portable. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer la symbolique des chants des ouvriers? Ils chantent pour se donner du courage. Enfin, du courage. Le courage est long, en fait. Mais pour se donner du cœur.
Donc d'abord ils le font au tout départ pour le prophète, et puis après ils le font pour leur raïs, c'est-à-dire pour leur chef, ils le font pour leurs copains, ils le font pour moi. Sidna Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis pour donner un sens au travail, parce qu'on fait ça pour être ensemble aussi. Voilà. Un peu comme au Pharaon, mais sur un autre thème. Bah un peu, ça c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est sûrement pas écrit sur les murs, mais on peut bien s'imaginer que là ce qui change effectivement c'est que le prophète est présent, mais sinon effectivement le chant je pense qu'il a toujours été dans cette envie de se motiver à faire un travail ensemble quoi. C'est ce qui rend le geste beau. C'est vrai que nous ici c'est des gestes qu'on répète, déplacer des gros blocs. Alors là c'est le geste qui demande un effort important. Et puis sinon quand le bloc il se déplace, et ben il y a Abdelrahim qui est là. Lui il a l'habitude de chanter dans les mariages en général. Et là il vient nous faire une improvisation en fait, où en fait il anime le geste. Avec, il implique dans le geste les gars qui travaillent avec lui, les gars qui sont dans le village d'à côté. C'est des chants du quotidien quoi, improvisés. On sent les humeurs de travail. Et c'est vrai que moi quand ça chante, je sens que ça se passe bien. Au cours de cette mission, bien sûr, il y avait un autre chantier à mener, surtout dans la première cour du temple, et qui consistait en la restitution de 8 bases de colonnes qui appartenaient à un portique placé côté sud devant le palais royal de Ramsès II. Donc on se trouve ici au niveau du palais royal. On est en train de terminer une tranche de chantier qui a été menée pendant deux années, au moins sur ces bases de colonnes. Tels que vous les voyez là, donc ils sont terminés. Pour certains blocs, ils étaient abîmés. Vous voyez, là, on a eu des reprises d'enduit. Et puis là, donc, tels qu'ils sont, c'est pas très joli. Il s'agit maintenant, là, et c'est donc la dernière phase de travail, donc, de refaire les joints, de refaire les interprétations des joints. D'ici une semaine, ces bases de colonnes seront patinées. Donc patinées, c'est-à-dire intégrées à la couleur des bases anciennes. On refait les joints et ils sont réinterprétés de façon à donner une homogénéité à cette base de colonne qui va ensuite être patinée. Donc dans l'absolu, on aura quand même une lecture suffisamment claire pour un spécialiste d'une base de colonne qui a été restituée et d'une base de colonne ancienne. Et pour le travail dans son intégralité, c'est plus agréable de voir une pierre quand elle a été patinée, quoi. Parce que vous voyez qu'on a des variantes de couleurs suivant les blocs, donc la patine fait la touche finale, quoi. Donc vous voyez ici, c'est un mélange de poudre de pierre et de chaux, mais ça donne une finition plus agréable à regarder. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que là, si vous regardez l'amorce de dallage, on voit très bien la dimension du bloc tel qu'il était quand il est arrivé. On se sert du gras, ce qu'on appelle en taille de pierre, le gras de la pierre, pour faire l'amorce des dallages qui vont nous permettre ensuite de réintégrer et de reconstituer l'ensemble du dallage de cette zone-ci du temple, quoi. Et voilà, on a réalisé ici 8 bases de colonnes. Voilà. Dans la tombe de Seth Épibré, les découvertes s'enchaînent. Mohamed et son équipe sortent des objets datés du Moyen Empire, de la troisième période intermédiaire, mais aussi de l'ère ramesside. Parmi les objets que nous avons retrouvés au cours de cette mission et qui sont finalement en lien avec la tombe de Seth Épibré, bien qu'ils ne soient pas de l'époque de la tombe de Seth Épibré, on a retrouvé notamment ce très beau fragment de stèle en calcaire qui représente, alors ça c'est une chose exceptionnelle, qui représente un roi qui ne peut être que Ramsès II ici et qui était figuré devant une table d'offrande. Voyez-vous, on voit encore les vestiges de la table d'offrande et face au roi devait se trouver un personnage qui était celui qui faisait la dédicace au roi de ses offrandes alimentaires. Alors la caractéristique particulière que présente Ramsès II ici, c'est qu'on constate que dans l'une de ses mains, il tient le signe Or. Nous sommes face à une image de Ramsès II divinisé,
Ça, c'est une selle qui était en bas-relief. Il y a une très grande finesse de la sculpture. Et puis aussi des détails concernant le costume du roi, avec un pagne blanc, voyez-vous, un pagne assez long. Et puis alors ce devanteau d'orfèvrerie, où l'on voit d'ailleurs une tête de guépard ou de léopard juste accrochée au niveau de la ceinture. Alors ça, c'est un document de l'époque ramesside, bien sûr, de l'époque du règne de Ramsès II. On a retrouvé d'autres documents, alors des ouchéptis de la troisième période intermédiaire, donc qui appartiennent à un personnage qui portait le nom de Pached Khonsou. On voit l'Osiris, Pached Khonsou, Maheru, et parfois d'ailleurs, il est désigné par son titre finalement, dans le cadre du sacerdoce d'Amon de Karnak, puisqu'on voit qu'il était Itnetcher Enimen, c'est-à-dire père divin d'Amon. Ils sont tous en frites glacurées bleues, et ce sont vraiment de très belles pièces qui sont sorties de la fouille. Dans cette tombe de Seth Épivré, il y a eu un certain nombre d'inhumations tardives et qui datent notamment de la troisième période intermédiaire, puisque jusqu'à présent, on a retrouvé au moins 8 noms différents de personnages qui proviennent finalement de cette tombe. Et puis, parallèlement à ces ouchéptis, eh bien, on a pu aussi retrouver d'autres vestiges, comme par exemple, évidemment, des barbes, comme celle-ci, qui est très belle d'ailleurs, voyez-vous, une barbe osirienne, encore qui est avec toutes ses couleurs, qui était peinte en bleu, avec des motifs géométriques qui étaient certainement jaune-or, et qui est une barbe de, finalement, de sarcophage, hein, qui était un élément de sarcophage, tout aussi bien que d'ailleurs ses mains, voyez-vous, qui sont très très belles, des mains très fines, donc qui étaient finalement adaptées sur des cercueils en bois, donc de défunts qui appartenaient à la 22e dynastie. Donc ça, c'est surtout d'ailleurs probablement une main de femme, mais nous avons aussi parmi les mêmes découvertes une main d'homme, voyez-vous, donc beaucoup plus importante, qui est celle-ci. Donc on avait plusieurs sarcophages, voyez-vous, en bois, sur lesquels étaient finalement intégrées des pièces, évidemment, qui étaient fixées sur les cercueils en bois par des tenons. On voit bien d'ailleurs, voyez-vous, il y avait les trous encore qui sont visibles. C'était donc des tenons qui permettaient de fixer ces pièces rapportées finalement sur les cercueils. Alors parfois, évidemment, parfois un peu émouvant, comme ces petits ouchéptis qui sont en terre cuite, voyez-vous. Donc ils ont été badigeonnés de bleu, tout simplement. Donc c'est moulé, hein, c'est des pièces qui sont moulées, très souvent d'ailleurs moulées au doigt. On voit parfois encore la trace, voyez-vous, de l'empreinte du doigt quand on moulait ces petits ouchéptis. Et puis, il porte une sorte de mortier, de modius sur la tête. Donc on peut penser que là, il s'agit aussi d'ouchéptis de femmes. La tombe de Seth Épivré, voyez-vous, elle nous livre au fur et à mesure eh bien, des informations tout à fait intéressantes sur son histoire, apparemment mouvementée, parce qu'il faut dire que c'est une histoire qui semble mouvementée, dans laquelle s'imbrique tout un ensemble, voyez-vous, de documents qui nous permettent un petit peu de suivre, finalement, l'évolution dans le temps de cette tombe. C'est la première tombe décorée que l'on a au Ramesséum pour le Moyen-Empire. Oui. Et c'est une très rare tombe, d'ailleurs, du Moyen-Empire qui soit décorée. Hein. Parce que toutes celles que Lavoisier avait retrouvées, vous savez, mais sur l'air, décoré. Elles n'étaient pas décorées. Oui, elles n'étaient pas décorées. Celle que Hélène a dégagée à l'ouest n'est pas décorée non plus. Donc c'est la première fois qu'on trouve une tombe décorée. Et donc c'est. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est exceptionnel. En plus, la taille, j'imagine aussi que. Elle est très importante. C'est une grande tombe. Oui, oui. Mais c'est une autre chose. C'est le cartonnage. C'est le cartonnage. Non, ça c'est un cartonnage. Attends, comme ça, il y a encore des bouts. Non, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais j'en ai vu passer des comme ça. Oui, ça c'est plus compact, voyez-vous. L'autre support est le support de limon. C'est pas c'est du différent. Limon, ça. Donc j'ai beaucoup d'émotions arrivées au Ramesséum après presque 10 ans. Et donc ça me revient les souvenirs de ma formation archéologique que j'ai faite ici avec Monique Nelson et Christian Leblanc. Donc ça fait quand même un bout de temps, puisque là je vous parle de 2004. Et j'ai commencé, donc mes premiers jours étaient là dans les magasins avec Madame Nelson. Et c'était la première fois de ma vie de toucher aux poteries, donc à la céramique du Nouvel Empire. Et elle m'a appris comment faire la différence et la datation donc d'un tesson. Mais c'est vrai que je lui dois beaucoup pour cette formation précieuse.
Et ensuite, donc, je suis passée à un autre stade avec Christian Leblanc, que je profite donc devant votre caméra à rendre un énorme hommage du fond du cœur. Parce que si je suis là où je suis aujourd'hui, je lui dois beaucoup. C'est très simple, c'est que ce monsieur était pour moi une icône de générosité, d'études avec enthousiasme et amour, qui m'a donné le modèle. Je me suis imprégnée de lui dans sa maison à Mohandessine en Égypte, assis devant son écran d'ordinateur, une pile de livres à droite, une pile de papier à gauche, et on était là à discuter. Il m'apprenait vraiment à soigner le détail du détail dans les publications, comment prendre le temps pour donner un titre à un article. Donc c'est l'autre aspect de l'archéologie de terrain. Donc comment valoriser la recherche et donner donc un produit final bien soigné pour le laisser pour les années. Donc c'est pas... Parce que les gens souvent quand on parle d'archéologie, c'est juste le terrain ou la fouille. Mais ce que j'ai appris avec Christian Leblanc, c'est que la gestion de la fouille est aussi importante que la fouille elle-même. Donc la gestion au sens large, donc c'est la coopération avec les Égyptiens, c'est comment gérer une équipe franco-égyptienne, comment faire la paye des ouvriers, comment faire que les ouvriers arrivent tous à 6 heures du matin, faire l'appel, être disciplinés, comment il faut appeler le chef et gérer avec le Raïs la sortie d'un monument du ventre de la terre. Donc tout ça, c'est quand même comment conserver. On a tendance à oublier, mais c'est bien beau de sortir un objet de terre, mais le conserver, c'est quand même un travail de professionnel qui doit se faire dans les règles. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect de la valorisation. Valoriser un site est très important. Guider les gens, les spécialistes, les non-spécialistes, les amateurs, le visiteur lambda, le touriste, les enfants même. Et c'est aussi grâce à Christian Leblanc qui a eu cette idée brillante il y a presque 10 ans de faire, donc d'établir ces mini-guides, comme on les appelle. Et donc c'est des livres qui sont livrés, qui sont distribués gratuitement à l'entrée du temple pour les excursions scolaires. Donc le fait aussi de savoir comment valoriser la recherche, comment être généreux avec son savoir, ça je l'ai appris ici dans ce beau temple de Ramsès II, dont je suis très fière et surtout émue d'y être aujourd'hui. Sur le cavalier de Déblay, c'est l'effervescence. L'un des ouvriers a découvert un fragment de sphinx de la voie processionnelle sud. Jocelyne va enfin pouvoir confirmer ses hypothèses. En 2012, sous l'initiative de Monique Nelson, nous avons débuté la fouille du cavalier qui se trouve derrière moi. Et lors de cette fouille, un ouvrier a découvert un gros fragment de Némès de Sphinx. Mais le problème, c'est que ce fragment a été trouvé trop près de l'angle sud-ouest pour être certain qu'il appartenait au Sphinx du Sud. Et par chance, eh bien, hier et aujourd'hui, nous avons trouvé deux éléments significatifs qui nous permettent de confirmer que l'apparence des sphinx de l'allée processionnelle sud était également androcéphale. Un fragment du réus en grès de la coiffe royale d'un sphinx, probablement à l'effigie de Ramsès II, a été découvert proche du sol ramesside par l'ouvrier Mustapha Ibrahim. Ce fragment revêt une importance capitale. C'est un morceau du réus qui fait partie d'une émesse qui coiffe le roi. Et ce fragment également
représente le bout de la queue du sphinx. Ces deux fragments sont vraiment d'une importance capitale pour confirmer nos hypothèses. Je vais vous confier quelque chose. C'est que hier soir, j'ai envoyé à Monique Nelson, qui attendait patiemment depuis des années et des années qu'on trouve quelque chose, je lui ai enfin appris en primeur que nous avions trouvé ce qu'elle désirait tant depuis tant d'années. S'il y a quelque chose en dessous, une forme ou quelque chose, il faut le retirer. De nombreux autres artefacts sont extraits quotidiennement du cavalier de Desblais. Julian nous en a sélectionné quelques-uns. On a notamment trouvé en Ostraconfiguré, c'est une étude d'une élève dans l'école du temple. Il y a un gazelle. Ici, on a un fragment de calcaire. C'est une étude, il est sculpté et il provient de l'école du temple. On a un fragment de visage en cartonnage. Il est parfaitement conservé. Et on peut voir la côté droite et avec l'œil droit. C'est très, très joli, c'est une pièce très intéressante. C'est un fragment qui vient de la voie processionnelle sud. Et apparemment, c'est une partie d'un cobra qui est probablement l'uréus royal que portait Ramsès II au front, sur son émesse, certainement. Voilà. C'est une belle pièce, finalement, toi. Et ça veut dire quand même que c'est des images de sphinx androcéphale où on voit le corps de lion et certainement le visage de Ramsès. Probablement c'est ça. D'accord ? D'accord. Voilà. L'équipe de tournage de la MAFTO va suivre les pas de Kuybel qui, en 1896, a redécouvert la tombe et a pu pénétrer jusque dans la chambre terminale où se trouve un profond puits. Donc là, c'est l'entrée de la tombe, avec le puits. D'ailleurs, il y a un puits, un accès à une chambre funéraire, comme l'a expliqué Christian. Voilà. Là, on est au bout de la tombe de cet épibré. Il doit y avoir un puits vertical juste là. Tamam, Glutamam. Donc là, on est dans la tombe de cet épibré. Donc là, on voit nettement l'entrée d'un puits en contrebas. Ah, Daniel ? Oui, très très bien. Quelle expérience. Tamam ? Tamam, Inch'Allah. Mohamed Choukran. Alhamdulillah. Alf Choukr. Allah ybarak fi. Alf Choukr. Alhamdulillah. Attends. Hop, sorry. Impeccable. Ah bah dis donc. Magnifique. J'aurais pas pensé faire ça. Très belle expérience. Grâce à Mohamed. Il est où Mohamed ? Il y a toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est vrai que là, merci. Choukran, les gars. Choukran. Choukran. Deux échancrures ou cavités sont également présentes dans le corridor. Celle-ci est située dans la paroi sud, à 5 mètres de l'entrée. Elle est large d'1,40 m et profonde de 2,30 m. Super. Choukran. Ah, c'est bon. Merci les gars. Bah,
Mohamed découvre un objet insolite qu'il s'empresse d'apporter à Christian. Qu'est-ce que ça fait là? C'est une petite bouteille, je sais pas, de... Oui, Most, alors attendez, Most Watercolor. Non, c'est une petite... Ah, c'est des peintures, c'est des peintures. C'est des peintures, oui. D'accord. Ah, ben je sais pourquoi. Pour fixer les peintures ? Quand ils ont découvert les peintures de la Descendrie, non seulement ils ont fait un dessin, oui, qu'on mais voit il semble aussi qu'ils aient fait toute une série de peintures qui sont conservées en Angleterre. Je ne les ai pas vues, hein. Mais je sais que ces peintures-là existent de la tombe de Seth Épibré. Oui, oui. Et ces documents-là, on ne les a pas parce que dans le rapport de Quibble, on a juste les dessins en noir et blanc. Donc ça, je pense que c'était les couleurs que la dessinatrice devait utiliser. Et il y a un petit pouls qui est resté finalement dans la Descendrie et qui a progressé vers le corridor. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pénétré dans le corridor. Je pense que c'est quelque chose. En attendant, c'est intéressant, c'est amusant. Chines White. Donc ça, c'est les couleurs qui étaient utilisées par la dessinatrice. C'était un exemple. Voilà. Alors peut-être retrouver les autres couleurs, Mohamed. Bravo. Michel et André vont explorer la tombe de Seth Épibré afin notamment d'évaluer la quantité d'ossements qu'elle recèle. Génial. En fait, on est les premiers depuis... Je ne sais pas combien de temps t'as l'arrivée. Ah, tu... Tiens. Là, il y a... Attention, il y a un trou. Hein. Il y a un os, il y a une poterie. Ah oui, là, il y a un os coxal. Un os coxal. Il y a du bois. Là-bas, c'est quoi? Là, c'est une poterie. Ah, là, et au fond, il y a des os. Il y a des os là. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a un fémur. Un fémur, oui. Il y a un bout du nord ici. Oui, là, il y a. Oui, ici, il y a. Ah oui. Là, je crois que ça, ici. D'accord. Voilà. On peut même dire que c'est une femme. Tu vois, il y a des ossements partout ici, là, entre deux ici. Ah, vu. Là-bas, tu vois. D'accord. Là, il y a un crâne ici, tu vois. Il y a un crâne ici. Ah, il y a un bout de crâne, un ensemble, oui. Là ? Ici. Voilà, il faudrait qu'il les laisse ensemble parce que ça doit partir au même. C'est incroyable, oui. Oui, il y a un crâne. On a un crâne. Ah, il y a un magnifique humérus ici. Ah oui, oh là là, on l'a trop vu. Tu vois? Ah ouais. Un humérus. Ah oui. Hein, et là, juste derrière moi, il y a un tibia, je crois. C'est quoi? Ça, c'est une tête de fémur. C'est ça, hein? Fémur. Ouais. Attention, André, ton dos derrière. Tu vois, là, on a 20 ans. Allez, André. Là, on a 20 ans. Là. Les enfants, c'est une expérience qu'on n'a qu'une fois dans la vie. Ah, oh, ben, je suis super contente. C'est génial. Il ne faut pas penser que tous les os qu'on nous ramène des différentes tombes sont des beaux os magnifiques, prêts à l'emploi, si j'ose dire. On a un exemple ici devant nous, qui est des morceaux d'ossements en cours de fouille de la tombe de Seth Épibré. Donc je vais vous montrer un peu comment nous on va travailler pour réussir à tirer quelque chose de ce fouillis osseux, on peut parler comme ça. Un exemple, voilà, donc on va prendre ce carton et tout simplement... On va le vider sur la table, en sachant que ces ossements, donc on met toujours un masque, il n'y a pas que le Covid, hein. En sachant que ces ossements sont repérés par rapport à leur positionnement lors de la fouille. Donc ici maintenant je sais que ces ossements-là, qui viennent de ramener, ils viennent de l'intérieur de la tombe. Une fois qu'on a donc sorti tout ça, ben on trie. Voilà, donc on étale. Donc c'est un travail qui est fastidieux, vous voyez qu'il y a énormément de fragments. Et vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert à comptabiliser.
puisqu'on va quand même réussir à classer, à faire une classification par os, et cette classification va nous donner un nombre minimal d'individus dans le secteur fouillé. En plus, on a bien sûr quelquefois des fragments en très mauvais état, mais on peut retrouver des ossements. Ou quelquefois, comme ici, vous voyez, hop, on sort un sacrum, donc un os coxal. Cet os coxal va nous permettre de dire si c'est un homme ou une femme. Vous voyez, c'est tout simple, entre guillemets. Il y a une échancrure qu'on appelle l'échancrure sciatique. Elle est en forme de V. Je suis presque certain que c'est un homme. Ici, vous voyez, il y a quelques ossements en très mauvais état. On va commencer par les nettoyer. J'en ai un autre ici qui va être complet. Donc ce tibia est presque complet. On va pouvoir le mesurer et nous orienter sur la taille de l'individu. En gros, ce sera surtout sur la taille de l'individu ou sur une pathologie. On peut trouver quelquefois des séquelles de fractures et autres. Donc on examine systématiquement tous les ossements. On en tire très peu de choses quelquefois et quelque chose d'optimal d'autrefois. Le minimum, c'est le décompte des différents individus dans la tombe. Alors, quand on est devant cette exposition d'ossements et de crânes, c'est sûr que d'aucuns peuvent nous dire qu'on ne respecte pas les morts, qu'on doit les laisser tranquilles. Oui, bien sûr, mais il faut savoir que là, en fouillant les tombes, on les retrouve, on les remet au jour quelque part, on parle à nouveau d'eux, mais il faut savoir qu'après ces ossements, lorsqu'ils ont été étudiés et qu'ils nous ont livré leurs secrets ou une partie de leurs secrets, pour nous, dans un geste, disons, très, très humain et très respectueux, ces ossements retrouveront la tombe dans laquelle ils ont été placés au départ. Donc finalement, si vous voulez, c'est un retour dans l'éternité pour l'ensemble de ces ossements que nous, on a le bonheur de pouvoir examiner. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de chapitres pour les personnes qui découvertent maintenant directement à côté de la place ici. Alors, regardez, c'est dans la même place, c'est découvert le fragment de chapitre pour oui. La dernière personne. Et aussi, c'est la même place avec le bâtonnage et le bas-relief pour le bâton de maille. Oui. C'est le tout ici, de quoi partir ici. Donc c'est le corps, ça. Ouais. Oui, il y a encore les chapitres d'ailleurs. Oui, oui. C'est tout le chapitre, c'est comme ça, ici, de quoi partir ici. Alors ça, il faudra mettre ça dans un carton à part. Spécial. Oui. Oui. Pour qu'on puisse au niveau de l'anthropologie. Oui. Oui. Il n'y a pas de tête. Non, jusqu'à maintenant, pas encore. Oui, ben ça, il faut mettre ça dans un carton pour qu'on puisse servir et éventuellement voir un petit peu. Alors, ce personnage-là sera en rapport avec les effectifs qui sont là. C'est peut-être cette personne, monsieur le prince, c'est lui, là-bas. Peut-être, et puis qu'ils l'ont rejeté vers l'extérieur. Oui. C'est pas impossible. Mais là, effectivement, il y a une cavité, certainement, qui est ici, à savoir si c'est pas un puits qui est sur le côté. Et lorsque les profanateurs auraient pénétré dans ce puits, peut-être qu'ils auraient rejeté vers l'extérieur un petit peu les ossements et puis un tas de choses qu'ils n'ont pas pris avec eux. Quoi. Voilà. Oui, alors donc on serait en présence peut-être de la personne qui est, pour laquelle on a les os petits, ces os petits verts là. Oui. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est ça. La même oui, c'est ça. Oh, Hefmat, oui, c'est ça. Or, Efma. C'est curieux parce que, tu vois, là aussi, enfin, ça, les textes sont écrits à la main. On voit bien après cuisson. Hein, donc, tu vois, là, il est marqué Or, Ormaat. Ormaat, alors que... Ah oui, alors que sur d'autres, ou chez petit, c'est Or, F. On voit bien le F. Oui. Efmaat. Mais c'est la même personne. Hein. Oui. Mais c'est une variante de l'écriture. Mais ce qui montre que ceux qui ont écrit sur les... Parce que ça, c'est fait à la main, hein. Donc c'était un travail considérable. Quand il y en avait 300 à écrire, refaire chaque fois la titulature et puis le nom du personnage. Et il est Maharirou, bien entendu. Voilà. Bon, ben écoute, hein, c'est tout à fait intéressant. Bien, ben, alors on fait comme ça. Parce que là, il va falloir qu'ils arrêtent pour refermer la samedi, oui. Voilà.
Voilà, nous sommes donc arrivés à la conclusion de cette 32e saison de fouilles au Ramesséum, avec des résultats d'ailleurs qui sont tout à fait positifs, parce que sur tous les chantiers, on a pu obtenir vraiment de beaux travaux qui ont été réalisés. Alors il est vrai que sur le chantier de la tombe de Seth Épibré, nous avons bien avancé également, puisque nous avons pu terminer le dégagement du corridor, et nous avons pu également pénétrer dans la structure souterraine, qui nous a même permis, durant cette mission, de pouvoir aller jusqu'à la salle terminale. Et de voir que dans cette salle terminale, il y avait d'ailleurs un puits qu'il faudra vider probablement au cours de la prochaine mission. Alors c'est vrai que nous nous posions un certain nombre de questions avant d'entreprendre la fouille du corridor notamment. Il apparaissait que, évidemment, dans ce secteur avait dû être aussi retrouvée la fameuse tombe du magicien, dans lequel apparaissait un coffret avec une vingtaine de papyrus et puis aussi d'ailleurs quelques ivoires magiques. Alors cette tombe, pour le moment, est introuvable. Alors je pensais au départ, effectivement, que en dégageant le corridor jusqu'à la salle terminale, nous pourrions éventuellement avoir cette fameuse tombe du magicien, puisque on parlait éventuellement d'un puits qui descendait, finalement, qui traversait le plafond de la tombe de Seth Épibré et qui arrivait éventuellement au niveau du caveau de Seth Épibré. Il y avait d'ailleurs aussi même une autre hypothèse, mais qu'on a dû abandonner très vite, qui était celle évidemment de Newberry, qui nous avait laissé penser que la tombe du magicien se trouvait finalement dans la descendrie de la tombe de Seth Épibré. Or, il est clair que, en dégageant la descendrie de la tombe de Seth Épibré, nous n'avons pas vu la moindre trace d'un puits funéraire qui aurait pu aboutir à cette tombe du magicien. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, eh bien, nous nous apercevons que, ni dans la descendrie, ni dans le corridor, nous avons trace de cette tombe du magicien de la 13e dynastie. Alors, il est probable, maintenant, que cette tombe du magicien ne fasse qu'une avec le puits qui a été creusé pour recevoir la tombe de Seth Épibré à la 12e dynastie, donc qui se trouve dans la chambre terminale de la tombe. Donc, il reste évidemment une grande question à laquelle on pourra certainement répondre au cours de la prochaine mission, à savoir si dans cette tombe de Seth Épibré, nous avons aussi la tombe du magicien de la 13e dynastie. Donc, nous espérons résoudre cette énigme. L'année prochaine. Bon, on est heureux quand on a des os complets. Hein. On en a quand même pas mal. Je viens d'avoir un autre surnom que celui qu'on m'attribue habituellement, c'est Jocelyne 2.0. Mais oui, parce que je me dis, le visage, je le connais. Mais oui, c'est un gaffir de Malgata depuis longtemps, ça y est. Hein. Oui. Pour tout. Bon, on fait quoi? On fait quoi? Nous avons retrouvé aussi, au fur et à mesure de ces fouilles, un certain nombre de vestiges qui méritaient d'être identifiés, aussi bien la flore, bien entendu, puisque nous avons pu identifier un certain nombre de graines qui avaient été repérées. C'est que le fait de retrouver déjà des éléments en bois d'un bateau, hein, qui serait celui d'un modèle qui avait été déposé dans la tombe. Voilà, pour une formation en archéologie de terrain cette fois-ci. C'est bien. C'est plus de l'archéologie théorique qu'on apprend à l'université. Oui. Mais il voit bien les choses, hein, parce que
il s'en rend compte hein, quand il voit les objets. Quand il essaie, je lui fais identifier des objets là. Oui. C'est pas toujours évident, hein, des fragments de petits objets. Oui. Donc pour lui c'est nouveau. Bien sûr. Mais il découvre, hein, ça y est. Hein. Ouais, c'est bien, voilà. Ah, la sourde. Non, bah, attends, je suis avec ça. La bandoulière, là, c'est pas marrant. Ça. Donc là, tu es avec Mohamed et. Ah, Hagagan, son fils. Fils. Ouais. Là, je connais Hagagan, le chocolat de Mohamed. Oui, oui. C'est ça, hein. Non, calme, ça, là. T'as vu? Quelle expérience, ah oui. Magnifique. Mmh. Merci Christian Leblanc. Et là tu trouves sarcophage, Marie. C'est bien. On vit quelque chose d'exceptionnel là quand même. Une expérience exceptionnelle. Ouais, c'est... Merci à Christian Leblanc pour ces, voilà, pour ces moments inoubliables. Mabrouk. Super, bravo. Mabrouk. Bravo. Merci. Très bien. Voilà. C'est parfait. C'est très bien.